Malheureusement, le 12 août 2019, Didier Arafat, le père de la Chine, l'artiste ivoirien qui a le plus de fans, quelqu'un qui pouvait dire il a concert dans une semaine et il y aura toute une foule qui sera à son concert jusqu'à le coin va refuser du monde. C'était Didier Arafat. Quand on a annoncé son décès, dans l'émotion, les gens ont crié ici, Chinois à vie. Chinois à vie. Nous sommes en 2024. Combien de personnes continuent toujours de perpétuer le mouvement chinois à vie? Il y en a combien? Combien de fois encore vous entendez parler de Didier Arafat sur Internet? Vous voyez, dans cette vie, nous ne faisons que passer. Et si vous écoutez les gens pour agir, si les avis des gens influencent votre comportement, c'est que vous n'avez encore rien compris de la vie. La vérité, c'est que dans cette vie, on est seul. On vit seul et on meurt seul. Concentrez-vous sur ce que vous aimez faire. Si vous aimez faire quelque chose, faites la chose. Ne regardez pas les gens. Parce que vous serez seul dans votre cercueil. Et quand on meurt, les gens pleurent pendant un temps et la vie continue. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est le monde qui est déjà fait ainsi. Donc ne vous préoccupez pas du regard des gens. Concentrez-vous sur vos objectifs et foncez. Bonne soirée dominicale à tous.